Alors, on le disait tout à l'heure en début d'émission, Jacques Chirac est le premier président à avoir été suivi par des caméras de télévision quasiment tout le temps, grâce notamment à des moyens techniques de plus en plus légers. Ça a permis à nos équipes de le suivre quotidiennement sur la fin de son mandat et bien après. Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Et notamment au Salon de l'agriculture. Monsieur le Président. Je ne vois que de la terre. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on ne me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. Et il mettait ses menaces à exécution à 8h du mat. À votre santé. Merci. Et c'est ainsi qu'on lui souhaitait régulièrement son anniversaire, ou en tout cas on essayait. Bonjour. Bonjour monsieur le président. Bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? C'est gentil. Mais... Ah, merci, ça c'est gentil. Pour votre collection. Ah, rue de Bruxelles, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il y a une séquence qui va devenir culte. Nous sommes le 9 juin 2009 et il y a 10 ans donc, une équipe du Petit Journal se rend ici en Corrèze, à Saran, au vernissage de l'exposition de céramique chinoise au musée du président Jacques Chirac, donc en Corrèze. Et voici les trois stars du vernissage. François Hollande, alors député, Bernadette Chirac, super en forme, a crié partout et sur tout le monde. Monsieur Viojard, Madame Marie-France Bellecour, Madame Bellecour est demandée. Ça, c'est pas intéressant pour la télé. Et enfin, Jacques Chirac en petit coloron et avec qui nous avons parlé de céramique. C'est extraordinaire cette pièce. Voilà. Mais nous avons été témoins d'un moment de vie des Chirac, d'une séquence devenue culte avec la députée socialiste Sophie Dessus disparue, elle aussi. Ce moment de vie, comme on l'avait appelé, on a voulu le revoir. C'est Bernadette Chirac qui doit faire le premier discours. Jacques Chirac s'assoit derrière et aperçoit une demoiselle qui n'a pas de place assise. Lui, très poli, insiste pour l'avoir à côté de lui. Vous méritez de la connaître très bien. Mais oui, mais oui. Bien. Et le discours de Bernadette commence devant un Jacques plus galant que fasciné par le discours de sa femme. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, quelquefois disant, ah ben je l'avais pas su, si je l'avais su, je serais venu pour cet événement unique. Alors on va revoir ce moment, l'image du moment où Jacques Chirac se fait gauler par Bernadette. Pour cet événement unique... Gauler. Cette image est devenue culte, mais on a tendance à oublier que la Dream Team s'est revue, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, donc on prend les mêmes et on recommence. Jacques Chirac et sa bouche à l'envers est là. Bernadette Chirac de bonne humeur, comme d'hab. François Hollande, et voilà donc Sophie Dessus, la numéro 2 du département, qui avait prévenu en arrivant, cette fois-ci, il sera sage. Oui, mais monsieur Chirac se tiendra bien cette fois-ci. Je vais lui dire d'être sage. Bonjour. Et on a eu l'impression de revivre la même scène. Avant le discours, Jacques Chirac qui insiste pour qu'elle soit assise à côté de lui. Bernadette qui check les micros à coups de poing de stylo. Le discours commence et c'est reparti. On sent vraiment que l'humour corrézien passe en premier. Et Madame Sophie Dessus, vice-présidente chargée de la communauté, de permettre... Donc c'est un cadeau de bon augure pour exaucer les vœux de celui qui va le recevoir. Je peux peut-être le et celui-ci, offrir. Porte en plus le... Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ces images? Oui, génial. Parce que Chirac, assez décontracté, sympathique, ah oui, c'est celui qui a fait sa popularité. Et
ce que les Français ont toujours vu à travers lui, en fait. Par exemple, on se souvient tous, ça a été dit à l'époque et subliminalement, mais quand Lady Di meurt en 97, Jacques Chirac est introuvable cette nuit-là, ça se passe dans la nuit de samedi à dimanche, personne ne sait où il est, on ne peut pas l'annoncer officiellement, tout ça, et très vite, tout le monde saura que, en fait, il est chez sa maîtresse de l'époque. Et donc, tout le monde savait très bien que Chirac avait... Voilà, était un homme à femme. Avec ce côté. Je voudrais quand même rétablir les choses, parce que la pauvre... C'est pas le cas de Sophie Dessus. Je crois que même Bernadette Chirac avait eu cette expression autour de mon mari, les femmes, ça galopait, avait-elle indiqué.